D'abord, une condoléance à ce père de Paris de personnalité. La Yassine a parlé, mais elle a dit un mot. Ousmane, notre doyen aussi, a parlé. Nous l'avons pratiquement plus bien mobilisé. J'avais pris sur moi le souhait même de faire un papier que peut-être beaucoup ont dû voir dans les sites, ce que je savais dire. Parce que comme ils l'ont confirmé ici, nous faisions partie de cette cohorte des années 80-90 qui était venue sur la pointe des pieds, reçue par le ministre Zaïmoul, le doyen Ousmane et bien d'autres personnes ressources à la radio-télévision guinéenne. Nous avions envie de changer, de tout changer, comme toujours, tout bouleverser. Les anciens nous disaient de freiner, d'aller sur la pointe des pieds. Et comme l'a dit tout à l'heure le directeur Yassine, le ministre, Ibra faisait partie de cette catégorie de personnes ressources qui nous calmaient, qui nous pondéraient. Ibrahim Assila était un homme généreux, calme, pondéré. Je confirme surtout qu'il était croyant. Je croisais constamment Ibra à la mosquée, à telle enseigne que je me disais peut-être, je ne sais pas pourquoi, il est très attaché à la croyance, à la pratique. Peut-être lui voyait déjà trop loin. Deuxième valeur d'Ibrahim Assila, quand nous étions tous venus à la radio-télévision guinéenne, il y avait cette foule de végétariens. Ça veut dire quand vous venez à la radio-télévision guinéenne, si c'est à la radio, tu veux tout de suite accéder au micro. À la télé, tu veux être sous la lucarne joyeuse, tu veux être présentateur. Ibrahim Assila était un homme de l'ombre. Il voulait braquer la lumière sur les autres. Il voulait fabriquer les autres personnes. Sa seule consolation, sa seule manière de se sentir bien dans sa peau, c'est quand il sortait d'un journal et que le journal a été bien rangé. Tout le monde se congratulait. Ibra avait son agenda, son petit lorgnon. Il rangeait ses effets à pied, il rentrait à la maison. Il était tellement serviable que Ibra n'était pas loin de la radio. Imaginez, tout le monde, vous savez que nous, nous gérons le quotidien. À tout instant, il y a un événement. Vous n'avez pas de réalisateur, Ibra Dipane. Vous n'avez pas de présentateur, Ibra Dipane. Vous n'avez pas de technicien, monteur, Ibra vient, il dépanne. Vous n'avez même pas de chauffeur, Ibra prend la voiture et fait la route. Ibra, c'était l'homme d'à côté, c'était l'homme serviable, il le faisait pour tout le monde. Je l'ai dit dans le petit papier que j'ai fait sur Ibra, visionnaire dans l'âme, Ibra était le journaliste reporter d'image avant l'heure. On ne parlait pas des réseaux sociaux, on ne parlait pas d'Internet. Nous, on se battait pour faire un petit papier. On avait à peine la capacité même de saisir ce papier. Ibra déjà connaissait l'ordinateur. C'était le seul qui alignait notre journal à partir de l'ordinateur. Beaucoup peuvent l'attester. Le BABA, le métier des nouvelles technologies de l'information, c'est Ibrahim Assila. C'est lui qui a habillé notre journal. Donc lui, il a déjà commencé à apprendre, à monter, à aligner, à habiller le journal bien avant nous. Nous, on était toujours tributaires des techniciens. Quand il rentrait dans le reportage, il fallait demander au moteur accepter ses caprices. Ibrahim Assila avait déjà pris le devant. Et quand on avait des problèmes dans le journal, c'est lui qui dépannait tout le monde. À telle enseigne que c'était un personnage central, c'était le self-management, c'est lui qui, à seul, pouvait tenir le journal. C'est tout à fait vrai. Je peux confirmer que c'était un artisan fondamental de la révolution de la radio-télévision guinéenne. Il nous a permis de tenir la compétition dans la sous-région. Vous avez tous en image, je veux dire, en souvenir, les différents journaux télévisés qui passaient dans l'Afrique. L'habillage de la RTG, le fait qu'on tenait la compétition à la RTI, à la RTS, à l'ORTM, c'était Ibra. La preuve, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la palme d'or qu'on a eu pour le journal télévisé, c'est Ibra. Parce que ce journal l'a primé sur les autres parce qu'il était d'un casting extraordinaire, d'un habillage impeccable et les sujets, le timing, c'est Ibra qui les a vus. Donc si la RTG a la palme d'or, cette palme revient à Ibrahim Assila. Qu'est-ce qu'on peut dire si on perd une personne comme Ibrahim Assila? C'est de demander
à tous de prier pour lui, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Nous nous manquons de mots, et quelqu'un l'a dit, souhaitons que des jeunes assurent la relève et qu'ils soient vraiment ceux-là, qu'ils dépassent les clivages, toutes les sortes de considérations. Ibrahima en fait un pédagogue, beaucoup sont là, savent, les a accueillis sans demander d'où ils viennent, quelles étaient leurs compétences. Ibrahima était prompt à accueillir les gens, à les préparer et surtout à faire en sorte qu'ils accèdent au haut niveau pour qu'ils tiennent la trajectoire. Je voudrais une nouvelle fois demander à tout le monde de prier pour le repos de son âme et que sa famille qui est là sache que d'autres Ibrahima sont là, nous sommes de cette grande famille. Nous essaierons de vivifier son image et d'être là chaque fois que le besoin se fera sentir. Je vous remercie.